c'est un même simulateur. Donc, ouais. Donc, on est sur un jeu, je sais pas trop le titre, c'est Death. En gros, c'est un jeu où on doit harponner des poissons et on a le choix avec plusieurs trucs. C'est assez sympathique. Donc, voilà. On a accès à pas mal de choses. Donc on est... Et moi, j'ai que la démo. Ce jeu est plutôt. Appuyez sur un bouton. Donc j'essaie de retrouver mes touches parce que je sais plus trop ce que c'est. Ouais, c'est ça. Donc après c'est un peu comme un GTA, un truc comme ça. Voilà. Vous devez être en mode pêche au harpon et pointer votre poignard vers le pont pour réussir un tir à 100%. Nager jusqu'à la réticule solaire. Le réticule solaire, ok. Donc voilà, en gros, c'est un jeu où on doit harponner le. Ok. Donc voilà, c'est Death Hunter 2. Ah, je viens de trouver le. Salut les amis. Donc nous sommes sur Death Hunter 2. Je sais pas si d'où c'est qu'on a coupé, mais bon, on va certainement continuer à pêcher un petit peu et puis après on va s'arrêter. Donc ce jeu, je le trouve assez sympathique. Il y a quand même peu de contenu parce que voilà, pêcher c'est pas très intéressant, surtout que pour quelqu'un comme moi, je veux dire, parce que moi je la pêche c'est pas mon truc du tout, je sais plutôt dans le style NASCAR F1 tout ça, là dedans c'est pas mon style du tout, donc voilà, c'est vraiment pas du tout mon style. Donc là j'essaye de trouver les poissons que je dois pêcher, mais je sais pas où ils sont, donc voilà. Après donc c'est ce jeu est assez facile, on va dire, hein, mais bon après c'est vrai que c'est que le début et que j'ai que la démo aussi, donc voilà. Après, à vous de vous faire une idée sur ce jeu, parce que je vous publie une démo, certes, mais c'est quand même un jeu qui est plutôt connu. Donc voilà, pour attraper un poisson, faut essayer de... Mais c'est vrai que c'est pas la pêche ordinaire en fait, techniquement parlant, on pêche pas comme ça. Hein, on pêche avec une canne à pêche, ben... Mais déjà en fait, j'ai trouvé que ce jeu avait un truc... Ah putain! Je vous jure que c'est pas évident. Hein. Voilà, je l'ai eu cette fois. Donc voilà, après, donc, on va encore pêcher un petit peu, même si on fait pas les objectifs, c'est pas très grave. Hein, on va juste essayer de pêcher, quoi. Ce qui tombe sous la main. Parce qu'en gros, je dois trouver un poisson, mais je sais pas où je le trouve, donc... Ok, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, putain, mais je sais ce que je veux faire, mais lui il voulait pas. Bon,
Donc voilà, on a un truc assez sympathique. Donc voilà, au bout d'un moment, on n'a plus d'oxygène, hein, comme vous le voyez. Mais après, quand on n'a pas la démo, qu'on a le vrai jeu comme entier, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on peut arriver à faire un truc plutôt pas mal avec avec ce jeu, parce que en gros au bout d'un certain temps on peut au bout d'un certain nombre de points on peut commencer à augmenter, à faire avoir des poumons plus gros, des trucs comme ça. Un peu comme dans tous les jeux, on va dire, grosso modo. Je vais voir si on peut remonter sur la mer, sur le sol. Non, on peut pas. C'est bizarre ça. On puisse pas. Bon, après, je vais vous dire que ce jeu, je l'aime bien. Bien, je l'aime bien. C'est une façon de parler. Graphiquement, il est plutôt joli. Assez précis. Un peu, en fait, c'est un peu comme un Call of Duty, un truc comme ça, mais sauf que là tu tires sur des poissons. Voilà, hop, le pêcher un de plus. Donc voilà, après, je vais pas vous dire, c'est pas un poisson extraordinaire non plus. Tiens, il y a une autre aile. Elle se cache. Donc voilà, c'est pas un jeu. Parce que c'est pas un jeu non plus extraordinaire, mais comme vous le voyez, il y a des épaves, il y a des trésors, il y a pas mal de choses qui sont assez sympathiques et que coupe à de la mort. Ouais, c'est génial. Ça va nous servir. Peut-être, hein, jamais. Voilà, hop, on peut ramasser les pièces d'or et après ça nous fait un trésor et voilà. Donc voilà, c'était une courte vidéo qui sera certainement deux parties vu qu'il y a une partie qui a coupé je ne sais pas quand. C'est spécialement moi qui l'ai coupé mais je l'ai pas remise. Donc voilà, c'est une courte vidéo qui va durer 10 minutes parce que c'est une démo. Donc logiquement la démo, ben, elle dure pas longtemps. Donc c'était MM Simulator. Je vous dis à une prochaine fois. Et blablabla. Hein? C'est mon personnage qui vous dit ça parce que sous l'eau c'est pas facile de parler. Donc voilà. À la prochaine et j'espère que le programme du mois de décembre, du mois de novembre et du fin octobre vous plaira parce que c'est vraiment l'intention qui compte. J'ai pas grand chose à fournir donc autant. Oh, il y a un poisson là. Un joli petit poisson rose. Ouais. Donc voilà. Je vais vous dire ciao hein. Avec ce jeu qui est assez joli qui pourrait être mieux parce que je pense que les graphiques sont pas au maximum, je sais pas, j'ai pas regardé les options. Donc voilà, donc je vous dis à plus, ciao.